Coucou, donc on se retrouve pour un nouveau vlog, là on est mardi. Donc là il est 8h pile et je viens de rentrer, d'avoir déposé les enfants à l'école. Et là je vais attaquer tout ce qu'il faut, c'est à dire faire les lits, le mien, les leurs, plier les pyjamas correctement. Même si c'est fait, il faut que je récapitule de nouveau. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et là c'est le jour un petit peu sans, parce que je sais que ma maniaquerie revient. Et c'est inexplicable, c'est à l'intérieur. Des fois je peux être très bien et des fois paf, j'ai un pic de maniaquerie qui vient. Du coup je suis obligée de ranger vraiment mais toute la maison, même si je le fais tous les jours. Il y a des jours où ça m'énerve plus que d'autres et où j'ai besoin que ce soit plus rangé que d'autres. Je suis calmée une fois que tout a été fait, la machine, les lits, les pyjamas, nettoyer la salle de bain, l'eau de javel dans les toilettes, la vaisselle et le salon. Et ben là je suis calmée et il est 8h43. Voilà, donc tous les matins c'est comme ça, hein. Et là, ben, du coup, j'ai fait un montage vidéo et là, je vais sûrement partir. Donc là, je vais payer l'assurance habitation, là, 75 euros. Je vais chez mon assureur, je vais aller lui régler ça. Et puis, je dois aussi aller prendre mes rendez-vous chez le kiné. Voilà, c'est la course de nouveau. Bon, alors, rendez-vous pris pour... demain espace habitat, parce qu'ils viennent regarder les tuyauteries, déboucher les conduits d'aération. Ensuite mes rendez-vous kinés sont placés, les 6 séances, et je vais faire juste mon signe de croix parce que j'ai vu un chat noir. Voilà, je suis hyper superstitieuse. Et l'assurance a été payée, donc les rendez-vous pris, l'assurance payée. Voilà, maintenant du coup je vais chez Babou. Alors à Babou j'ai trouvé des draps housses, donc j'ai pris le vert anis, le rouge comme ça, donc ça c'est en jersey violet. Ensuite j'ai pris un drap housse donc à 9 euros, cela est à 5, et en bordeaux, en coton, et de cette couleur bleu turquoise. Et j'ai trouvé une parure de lit de 100 x 200, donc voilà, avec les deux têtes d'oreiller 63 x 63, pour 20 euros avec des plumes comme ça. C'est vraiment très joli, plumes, un peu plumes de paon comme ça, c'est vraiment trop joli. Ensuite chez Babou j'ai trouvé de la peinture métallique, donc de la gouache en stick. J'ai trouvé un jogging comme ça pour Dylan. Voilà, celui-ci avait coûté 5 euros. Ensuite, j'ai pris des chaussettes chaussons antidérapants pour qu'ils puissent les mettre maintenant, parce qu'il fait quand même assez froid. Et vu qu'on a la cave en dessous, ils n'aiment pas mettre les chaussons, ils préfèrent les chaussettes. Donc, je leur ai pris une paire chacun. J'ai pris des chaussettes pour Dylan, il lui en fallait. Clara, elle en a encore tout plein, donc voilà. Et à Clara, hier, je lui ai pris un pull au Leclerc que je vais vous montrer tout de suite. Je vais mettre tout ça à la machine à laver pour pouvoir pendre tout à l'heure. Et voici le pull que j'ai trouvé hier à Leclerc pour Clara. Donc on est fan de Mini, Mickey et tout ça. Et nous on trouve pas que c'est pour les bébés comme certains le disent. Parce que moi aussi j'en porte du Mini et Mickey. Et c'est une grande mode. Sinon ils le feraient pas en taille 10 ans jusqu'à 16 ans. On est d'accord. Donc ça aussi je vais mettre dans la machine à laver. Et tout le reste. Donc là, en fait je prends la caméra, je sais même plus quoi dire. Il est 14h38. J'ai lancé la dernière machine qu'il fallait, parce que j'ai mis tous les draps que j'ai achetés ce matin et etc. à laver. Mais vu qu'il n'y a pas de place dans ma machine à laver pour tout vraiment, et ben j'en suis à ma troisième machine. Donc là la machine tourne. J'ai aussi nettoyé les couvertures et tout ça. Voilà, comme ça c'est fait. Il y a plein de draps, plein de trucs qui sont en train de pendre après chaque porte en fait de mon appartement. Du coup à chaque porte il y a un drap qui sèche. Voilà, ça c'est ma housse de couette que vous venez de voir. Là j'ai monté une vidéo aussi. Et du coup j'ai aussi pris un rendez-vous médical qu'il fallait que ce soit fait quand même. Donc j'ai pas avant fin janvier, c'est hyper long. Mais bon, les médecins, c'est tout le temps hyper long. Alors là, je vais m'improviser mécanicienne. Du coup, il faut que je vide le liquide en fait de refroidissement, parce que j'avais rempli avec de l'eau cet été. Donc ça suffit quand c'est l'été. Mais là, vu que ça va être l'hiver, ça gèle, et ben ça peut me péter le moteur. Du coup, moi, je ne sais pas comment faire pour dévisser en dessous la durite. Alors je vais prendre une pompe, essayer de pomper ce que je peux et remplir jusqu'au trait là. Le liquide de refroidissement qui se trouve ici.
Voilà, j'espère juste que j'ai pas fait de conneries du coup, hein, parce que ça me ferait bien chier. Si j'ai plus de bagnole, voilà. Donc quand tu dois te démerder toute seule, ben c'est jusqu'au bout, hein. Il faut se démerder toute seule, même si t'es une meuf, faut connaître un minimum ta bagnole si tu veux pas être dans la merde. En même temps, je vais remplir mon lave-glace, voilà, parce que c'est un dégivrant, donc il m'en faut pour le matin quand c'est gelé. J'ai aussi vérifié l'huile, donc j'ai tiré ma jauge là, j'ai essuyé sur un truc, j'ai replongé pour voir si c'était au-dessus du deuxième cran et un petit peu en dessous du... au-dessus du premier cran et un petit peu en dessous du deuxième cran. Tout va bien pour l'huile, voilà. Donc je me suis fait mon petit contrôle technique toute seule. Donc là, c'est l'heure de chercher les enfants à l'école. Donc là, il y a Clara qui sort de l'école. Et ensuite, on cherche Didou. Et après, on verra ce qu'on fait. Donc là, j'ai décidé, on évite d'aller déposer les sacs d'école à la maison. Et en sortant de l'école, je vais les emmener. Donc, j'ai envie de leur faire une petite surprise. Ils ont passé une journée à l'école. Voilà, maintenant, il faut un petit peu décompresser. Il est 5h05. Et j'ai envie de les emmener faire un tour... voir une petite surprise, voilà. Donc j'en dis pas plus et on se retrouve là où je veux leur faire une surprise. Donc je voulais leur faire plaisir, hein, les emmener au marché de Noël de Rigvire. Thank you.
trouvé. On a trouvé le Saint Nicolas. Saint Nicolas. On suit le Saint Nicolas. J'ai du bon lard fumé, des bonnes saucisses toutes bien fraîches. Veux-tu la goûter? C'est pas garde. La bonne saucisse, ah, garde. J'aime pas trop la saucisse. Bon, comment ça? Ah non, cette année, la chasse, elle était très maigre. J'ai eu personne. Je n'ai vu aucune bestiole cette année, je suis désolé. Je n'ai que du fumé. Es-tu sûr? Ah, certain. Je ne t'ai jamais menti. Voyons, s'il te plaît. N'as-tu pas du petit salé, boucher? Je discute avec le Saint-Nicolas, les enfants. C'est pas vrai, je n'ai pas d'enfant à l'intérieur. Ils ont reçu un cacao, un manala et des bonbons. Il est où Dylan? Voilà, donc là on vient de rentrer. Du coup Dylan a déjà cassé les gants en fait. Donc j'ai de la couture à faire ce soir. Il faut que je lui coue ça pour demain. Je vais lui remettre les petits lacets du coup pour qu'il me les perd pas. Mais voilà, donc j'ai de la couture à faire ce soir. Clara, elle va faire ses devoirs maintenant. Vas-y Dylan, tu peux déjà commencer à ouvrir le tien. D'accord. C'est ça le mien? Non, c'est lui là-bas. Là-bas? Avec le baléa. C'est pas grave. Allez, on va ouvrir. Alors, écoute, moi j'ouvre déjà en premier cette fois-ci. On commence par moi du coup, hein, pour une fois. Alors, on est le numéro quoi? 5. On est le 5, ok. Donc, essaye de déjà les repérer, toi.
tes petits calendriers. Tu les repères et après on les ouvre ensemble. Tu l'as trouvé toi ? Ouais, alors moi j'ouvre le DM, enfin le essence, pardon, le DM c'est pas. Alors, le essence. Ouais, attends. Le essence, c'est des éponges à maquillage en forme de cœur. Mais c'est des parts. Je vous montre après. Voilà, donc c'est des éponges, des petits beauty blenders comme ça en forme de cœur. Mais du coup, c'est des éponges comme ça chez Essence. Ensuite, les enfants, Dylan, t'as ouvert le chocolat numéro 5, Lind. Donc c'est un petit chocolat comme ça avec un ourson, trop mignon. Ouais. Lara, elle doit avoir la même chose sûrement. Donc oui, c'est quasi, c'est sûr. Et ensuite, le numéro 5, Achatou. Un chatou, il a de nouveau, oui, des petites meringues comme ça. En fait, il les aime pas trop, chatou, hein. Les petits trucs. Hein. C'est bizarre. Alors, ah, ça, c'est Dylan qui a reçu ça dans le calendrier Balia. C'est une pastille pour mettre dans le bain, fruits rouges. Mmh. Voilà, donc à mon avis, ça va colorer le bain et ça va sentir le fruit rouge. On va ouvrir pour voir. Donc c'est un petit nounours bleu comme ça, effervescent, pour mettre dans le bain. Merci. Clara dans le Baléa, elle a reçu Magic Winter, c'est quoi ça? Ah, c'est un après shampoing, un beurre de cheveux, c'est un masque cheveux ça, pour tes cheveux, c'est bien ça. Ensuite on en est où les Lego hein, du coup? Oui. Allez-y. Et on a Monsieur Chatou qui est avec nous pour ouvrir les calendriers. Chatou, regarde. Maman, elle a ouvert, c'est pour toi. Tout le monde est là pour ouvrir les calendriers. Alors, vous avez reçu quoi? Moi, j'ai reçu un petit chien. Ah ouais. Hey. On dirait le petit chien de Pocahontas. Mmh. Ah, il croit que t'as les croquettes. Mais il les aime pas trop. Ah, mais Chatou, c'est quoi? C'est quoi, dis donc? Et toi, t'as eu quoi? Je sais pas. Ah, ce que la c'est. Petite maison. Non, j'ai pas eu. Si, c'est une maison en pain d'épices. D'accord. Avec quoi? Alors, on a eu les chocolats. Voilà. On a eu la pastille et le. Mais pardon, Chatou. Le masque. On a eu ça dans Essence. Et Chatou, ses petites croquettes. Voilà. Moi. Dylan a reçu la petite maison en pain d'épices. Ouais, et Clara, elle a reçu le petit toutou. Voilà pour notre ouverture du 5 décembre. Il ouvre les cales. Ah, il se couche dessus, lui, il aime bien tout ce qui est à nous. Hein. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Clarinette, devoir. Faire mon sac en pyjama, manger et au dodo. Et à la douche. Voilà, très bien. Donc dans l'ordre, ce serait un petit peu mieux. Oui. Bon, là, je vais vite coudre le gant de Dylan. Comme ça, c'est fait. Clara est encore dans sa géométrie. Dylan fait un dessin. En regardant la télé, moi, je vais vite lui coudre ça. Donc là, je lui ai de nouveau cousu ses gants et je lui ai remis une ficelle pour dans la veste qui les perd pas. Voilà. Oui, je sais, j'ai du linge partout qui pend, mais c'est mes affaires, hein. Du coup, voilà, Clara, elle a fini ses devoirs. Dylan y dessine. Oui, c'est les as de la jungle. Les as de la jungle. Alors, c'est qui? Michael, ouais. Junior, Maurice. D'accord. Et là, j'ai pas encore fini. D'accord. Donc là, voilà, tout le monde est couché. Là, je vais me démaquiller et je vais aussi aller au dodo. Voilà, gros bisous. Coucou, donc là finalement on est le lendemain, j'étais fatiguée hier soir mais en fait mon chéri est venu quand même sans me prévenir. Donc ça m'a réveillée après le travail, alors je suis pas allée me coucher avant minuit. Donc là c'était, non ça va, on va pas dire c'était si difficile que ça ce matin mais voilà quoi. Je commence à être un peu fatiguée là et on est mercredi. Et pourquoi je voulais prendre la caméra, je sais plus, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui nouveau hein. Le linge et tout ça, je sais pas ce que je vais faire encore à manger à midi parce qu'il est là justement, j'avais pas prévu, comme il m'a pas prévenu, j'avais pas prévu de faire à manger pour lui, du coup il faut que je réfléchisse et savoir quoi faire.
Bref, alors nous hier, on était super contents de notre balade parce que tout s'est super bien enchaîné. On est sortis de l'école et je voulais leur faire donc la surprise de les emmener au marché de Noël à Riquewihr. Donc on a eu le temps de faire le tour de tout le marché de Noël. On a pris crêpes, gaufres, etc. Et ensuite, quand on a fini le tour, on allait retourner à la voiture quand soudain on aperçoit Saint-Nicolas. Donc du coup, ben, on a terminé le défilé avec Saint-Nicolas, on a eu manala, cacao, bonbons, et franchement c'était super, ça s'est super bien enchaîné, et après bah, le soir on est rentré, c'était cool, vraiment cette journée surprise a tourné à l'imprévu, et c'était vraiment chouette. Vous avez été content? Oui. Ça fait plaisir, hein? Oui. Voilà. Donc moi je vais clôturer le vlog ici pour en reprendre à nouveau. Voilà, donc la journée du mercredi. Gros bisous, ciao !